mon travail est toujours comme un prisme et j'aime bien que le regard il rentre dedans et que chacun en a ses images, chacun en a ses idées. Après, moi personnellement, ce que m'a voulu traiter dans ce tableau-là, c'est un petit peu le aujourd'hui, tout ce monde phénomène migratoire qu'on a dans le monde. Et il pense que la Réunion l'est un petit peu concernée. M'a entendu dernièrement, on avait des Sri Lankais qui avaient arrivé à la Réunion chez un bateau de fortune. Donc, m'y parle un petit peu de ça avec mes images. M'a mis des vêtements les uns sur les autres. Hein. Il peut être très évocateur avec une île en fond, un extincteur à côté. L'extincteur, c'est quand même l'objet voilà, pour éteindre le feu, qu'on a une urgence, on a quelque chose d'un petit peu alarmant. Donc, m'y joue un petit peu sans cesse avec des images, avec des objets que m'y met en relation. Et m'y essaye de donner à penser plutôt que de dire voilà, mon message c'est ça, mais juste peut-être éveiller, sensibiliser peut-être les gens un petit peu sur des choses qui concernent à nous directement. Mon style de peinture est dans la figuration, essentiellement représentation d'objets. Depuis le début jusqu'à maintenant, envie de donner un sens et établir des relations avec tous ces objets-là. On a une partie de mon travail, en tout cas, il tourne autour des hôtels et on y trouve la Réunion. Voilà, la Réunion, c'est vraiment le terrain où nous retrouve ce contexte religieux-là et un contexte religieux, l'émaillé avec plein de choses. Et m'y trouve les très évocateurs quoi, sur la façon dont nous vit, dont nous regarde le monde aussi et dont le monde y regarde à nous peut-être. Quoi. La peinture, c'est pour moi ma voie spirituelle. C'est mon travail. C'est vraiment les affaires sur quoi m'a mis toute mon attention. C'est la façon dont m'y exprime à moi. M'y pense que toutes les petits artistes hein, sur la planète, notre petit grain pour dire, notre petite affaire pour donner. Et moi, c'est la peinture. On aurait peut-être pu faire autre chose, mais je découvre la peinture un petit peu par hasard, en bouquinant un petit peu à droite à gauche, avec des rencontres, un petit peu comme ci, comme ça. Et au début, moi, t'es pas un petit peu comme ça pour amuse-moi, un peu par passion. Et de plus en plus, on prend haut un peu, les affaires, ils remuent haut, on sent qu'on a des choses à exprimer. Et puis, voilà, d'année en année, moi, il fait à peu près 10 ans, un petit peu plus 10 ans que m'y peint, d'année en année, les affaires a pris le pas. À un moment donné, moi, t'es vraiment dans la peinture, exclusivement dans la peinture, donc c'est vraiment la façon dont m'y prend le taureau un petit peu par les cornes pour exprimer moi sur plein de choses.